Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, dans cette journée de manifestation pour le climat. J'espère que vous êtes pas pris dans le, vous serez pas pris dans le trafic ce soir à sortie du bureau, parce que je pense que ça va être le bordel un petit peu. Donc, encore un épisode super rempli aujourd'hui. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, et pour en rappel, bien sûr, tous mes épisodes sont archivés sur YouTube. Donc, je vous copie le lien dans le chat immédiatement. Donc, tous les épisodes, je suis à la 19e épisode aujourd'hui. Vous allez tous les retrouver. Il y a deux ou trois épisodes là, qui ont eu des problèmes de son. Veuillez m'en excuser, j'en ai expliqué la cause la semaine passée. Je ne vais pas me répéter cette semaine. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma liste de diffusion dans le courriel qui est en haut ici. M'envoyer un courriel avec comme sujet abonnement à Twitch et vous allez recevoir les notifications par courriel lorsque je vais diffuser. Et si je reviens à YouTube, n'oubliez pas d'aller faire un tour et commenter si vous avez apprécié l'épisode ou vous ne l'avez pas aimé ou vous avez des questions. N'hésitez pas à liker aussi, bien sûr. Donc aujourd'hui à l'émission, écoutez, je fais ce travail depuis près de 14 ans, dans ma 11e année chez Red Hat. Et ce qui me fait lever le matin, c'est toutes ces nouvelles qui arrivent dans notre domaine, puis je vous dirais tout spécialement avec Red Hat. Quand j'ai décidé de partir ces épisodes-là, j'avais comme objectif de vous partager des nouvelles, des trouvailles dans notre domaine, que ce soit Red Hat ou tout ce qui tourne autour. Comme je disais tantôt, on est à la 19e épisode, et je pense que j'ai focusé les 19 épisodes sur pratiquement juste des technologies de Red Hat. Ça bouge beaucoup chez Red Hat. Et encore une fois, cette semaine, j'ai beaucoup de contenu à partager avec vous. Enfin, on s'est vu la dernière fois, il y a deux semaines. Normalement, j'étire un petit peu plus, normalement, aux trois semaines, mes épisodes. Mais il y avait tellement de choses. Après une semaine seulement, j'avais rempli ma page pour mon épisode. Je me suis dit, il faut absolument que je tienne un épisode cette semaine. Donc, c'est excitant, c'est le fun, c'est rafraîchissant en même temps. Et je suis bien content de partager ça avec vous. Donc, hors sujet, avant de commencer, hier soir avec mon fils, Elliot, on a commencé une nouvelle série sur Netflix. Et je tenais à en parler avec vous avant de commencer. Ça nous touche un peu, c'est dans notre domaine, bien sûr. J'ai commencé à écouter la série sur Bill Gates. Grosse surprise, effectivement, Bill Gates et Microsoft, pendant des années, avec Linux, on se battait un peu contre eux. Dans les dernières années, avec l'avènement du cloud avec Azure, on s'est rapproché beaucoup de Microsoft. On fait maintenant des épisodes. Et j'ai même des collègues qui quittent pour aller travailler chez Microsoft, des fois. Donc, petite parenthèse ici. Donc, j'ai regardé ça avec mon fils hier et j'ai été très, très surpris. Je vous mets ça à l'écran. Enfin, on ne le regardera pas ensemble, mais je vais juste mettre en fond le preview du vidéo pendant que je parle. De un, la qualité de ce documentaire-là est indéniable. C'est magnifique, magnifiquement, super bien tourné, très dynamique. Beaucoup d'informations. On voit beaucoup Bill Gates dans ça, comme vous pouvez voir.
On en apprend beaucoup sur, oui, ce qu'il a fait chez Microsoft, mais surtout avec ce qu'il a fait avec ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait avec sa fondation et sa conjointe, Melinda. Moi, je le connaissais beaucoup pour Microsoft, je le connaissais un peu moins pour sa fondation. Écoutez, j'ai découvert un grand homme dans ce document-là. Un monsieur très impressionnant, très impliqué pour des causes humanitaires. Et vous allez être choqué de voir... vous allez être choqué, je ne vais pas compter le punch, là, mais vous allez vraiment être choqué de voir le constat qu'eux ont fait. Et vous allez aussi avoir d'émotion. C'est un documentaire. Moi, je pense que c'est la première fois qu'un documentaire me donne la boule dans la gorge. Il y a un moment triste dans le documentaire. On voit ici des images de Bill quand il est jeune. Donc, ça raconte un petit peu là, son enfance qui est un petit peu particulière. Donc, super, super documentaire. Je vous invite à... En fait, j'ai juste écouté la première, il y a 3 épisodes. Mais vraiment, adoré ce que j'ai vu hier soir avec mon fils. Et mon fils aussi a vraiment adoré ça. C'est même inspirant. Donc, je suis super content d'avoir écouté ça avec lui. Donc, j'invite à aller jeter un œil à ce documentaire-là sur Netflix. Si vous n'êtes pas abonné encore à Netflix... Il faut arriver en 2019, tout se passe sur, pas sur Netflix, mais sur les services de stream sur Internet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai cancellé le câble, là, je pense, presque 2 ans déjà. Et on vit que de streaming et d'émissions sur YouTube et compagnie. Il y en a des super, je pense que le contenu est là. C'est le temps qui manque pour consommer tout ce qu'on peut y trouver. OK, donc, prochains événements. Dans la section prochains événements, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai une grosse été, en fait, pas une grosse été, une grosse automne. Une automne, en fait, hyper chargée en événements. J'ai déjà commencé, il y a 2 semaines, à vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on faisait. Ça s'est concrétisé depuis 2 semaines. J'ai des dates et des lieux à vous donner. Donc, premier événement qui s'en vient, prochain événement, c'est l'événement qui est organisé par IBM, mais où lequel nous, Red Hat, on est invité à participer avec vous pour rencontrer les CTO de la région de Québec, donc les hauts placés dans les entreprises qui sont responsables des technologies. Donc ça va avoir lieu à Québec. Ça a été déplacé, ça devait être un petit peu plus tôt, on l'a rapporté au 29 octobre en matinée. Donc on va présenter, on va parler de la fusion, pas de la fusion, mais de l'acquisition de... Red Hat par IBM, et qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on travaille ensemble, et comment on va attaquer le marché ensemble. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, là, m'envoyez un courriel, je vais vous inscrire sur la liste. Les rogues, on a les 2 prochains rogues qui ont été arrêtés, les dates, un petit changement pour celui de Montréal, donc commençons par celui de Québec qui est le prochain, le 10 octobre. On est limité à 40 places, il reste seulement une place à qui le chanceux, la chanceuse va récupérer cette place-là. C'est un workshop sur Istio, un nouveau produit qui s'appelle Service Mesh. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite à vous inscrire et aller participer. Vous allez apprendre, de voir c'est quoi Istio, technologie vraiment cutting edge, on peut dire, qui permet de contrôler, entre autres, surveiller le flow entre les microservices qui roulent sur OpenShift. J'ai fait ce workshop-là il y a quelques mois à Montréal avec Martin, mon collègue Martin Sauvé. J'ai appris beaucoup. C'est très visuel comme workshop, pas très compliqué. Puisqu'on vous donne des templates OpenShift pour rouler avec Istio. Et je vous invite à venir. Si jamais on a une grosse liste d'attente, parce que c'est ce qui va arriver là, dans les prochains jours, il va y avoir des gens qui vont être passés sur la liste d'attente, on va éventuellement la refaire. Ça a lieu à l'Université Laval en passant. Je vous donne le lien ici dans le chat si vous voulez rejoindre le meet-up de la Ville de Québec et vous inscrire à l'événement. À Montréal, le ROG va avoir lieu le 23 octobre. La date est arrêtée. Ça va se passer au Sheraton. C'est un workshop aussi, DevSecOps, je l'avais mentionné la dernière fois. Donc, c'est pour faire suite à notre événement qu'on a fait en août. Donc, aussi, il y a des places limitées. J'ai pas le nombre exact. Je sais pas s'il y a quelqu'un en ligne qui a la réponse. Martin, peut-être, qui est là. En tout cas, vous passerez sur le chat. Je t'ai-tu mis? Non, je l'ai pas mis. Je peux vous mettre le workshop de Montréal pour vous inscrire dans le chat si vous voulez vous inscrire. Autre activité de l'automne, ce sont les Ansible Meetup. Donc, j'opère avec David Moreau-Simard, celui à Québec et à Montréal. Donc, le 22 octobre, qui va être à Québec, le 24 octobre à Montréal. On a de la grande visite pour l'Ansible Meetup. C'est le Product Manager de Ansible qui vient faire un tour dans notre belle province. Donc, Tim Atnell, qui est Product Manager et auteur du module Synchronize, qui est si vous voulez faire du R-Sync au travers avec Ansible, c'est le module Synchronize qui est responsable de ça.
Pour Québec, on a aussi un speaker, un partenaire de Victrix, Sébastien, qui est souvent avec nous aussi dans ces épisodes-là. Donc, Sébastien qui va venir parler de l'automatisation, création de machines virtuelles avec VMware. Donc, super intéressant. Pour Montréal, on est toujours à la recherche d'un troisième speaker. Un deuxième, en fait, Sim va faire deux présentations. On fait toujours trois présentations. Donc, pour Montréal, si vous êtes intéressé à venir parler de ce que vous faites de bien avec Ansible, n'hésitez pas à me contacter. Et finalement, dernier événement qui s'est rajouté suite à notre dernier épisode, et c'est une primeur pour vous aujourd'hui, c'est le Red Hat Day Québec. C'est pas une grande primeur puisqu'on le fait à chaque automne depuis 3 ans maintenant. Donc, le Red Hat Day Québec qui va avoir lieu le 27 novembre. Et qu'est-ce qu'on va faire au Red Hat Day Québec? On va reprendre ce qu'on a fait à Montréal en août, qui était le Security Symposium, donc des conférences vraiment axées sur la sécurité. Puisque la sécurité informatique est très d'actualité avec toutes les attaques, les données compromises qu'on a vécues dernièrement. Donc, le sujet est chaud. Ce qu'on va faire, on va franciser ces présentations-là, puisque ça a été donné en anglais à Montréal. On va faire une grosse partie en français. Je ne sais pas qu'on va toutes les faire en français. Je vais peut-être avoir un ou deux speakers anglophones. On est en train de finaliser ça. Le 27 novembre, la date n'est pas totalement confirmée encore. Ça va se confirmer dans les prochains jours. Donc, c'était la section de ce qui s'en vient comme activité au Québec pour Red Hat. Beaucoup de choses. Hein? Est-ce qu'on a des questions? Non, ça va. Prochaine section, nouvelles et trouvailles. Tiens, je vais vous partager un petit article ici que j'ai vu passer sur LinkedIn. Je l'ai tué ici. Un petit problème avec le site. Oh. Un petit instant. Ouais, ça marche. Je vais vous mettre ça dans le chat ici. Donc, en fait, c'est un article qui a été créé par Guillaume Moutier. Guillaume, qui était directeur de l'informatique à l'Université Laval. Donc, c'est un projet avec lequel on a travaillé chez Red Hat et avec l'équipe de Guillaume depuis presque 2 ans, le projet Valeria, qui est un projet de plateforme de données scientifiques. En fait, vous avez peut-être vu passer aussi dans le journal, on en a parlé dernièrement dans le journal. Et ce qui est bien, il y a plusieurs technologies Red Hat qui sont au cœur de ce projet-là. Donc, OpenShift, Ceph qui est Cloak, Red Hat SSO en fait, d'autres projets open source comme Jupyter Hub et Vault. Donc, Guillaume explique les prémices du projet. En fait, ça, je vais le partager avec vous à l'écran. On va le regarder rapidement ensemble. Donc, Guillaume explique un petit peu le projet, les outils, donne plusieurs graphiques et l'architecture, finalement, ici, que vous voyez, donc de ce qu'ils ont mis en place. C'est un travail de longue haleine pour eux. Ils ont besoin d'un petit peu de se réinventer. Mais maintenant, le projet a vu le jour, roule sur OpenShift, hosté sur les données, une grosse partie des données sont hostées sur Ceph, donc c'est un gros projet de Big Data. Guillaume a quitté l'Université Laval un petit peu plus tôt cet été pour rejoindre Red Hat, et il parle de ce projet-là, je devine, un peu partout dans le monde. En fait, Guillaume est devenu un ambassadeur un peu du Big Data sur Ceph chez nous, et en fait la promotion. Donc, j'invite à lire l'article si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a des jeunes universités qui nous regardent, qui me regardent. Je dis nous, je suis seul dans mes épisodes, qui me regardent et je tenais à faire présenter son article qui est vraiment bien, très bien détaillé aussi. Donc, vous irez jeter un œil si le sujet vous intéresse, bien sûr. Autre nouvelle intéressante ici, je le mets toujours dans le chat ici. On va aller la voir ensemble. Red Hat Ansible Automation, on automatise plus maintenant 4 millions de clients à travers le monde. Donc c'est milestone, je ne me souviens pas en français, je dis trop souvent en anglais. Donc un objectif de passer des 4 millions de clients en fait. Donc ici on mentionne quelques gros noms comme Microsoft, donc je vais vous revenir sur ça tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu de ce que Microsoft fait avec Ansible, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui ça a été remis un peu sur la table parce qu'il y a un gros événement cette semaine, il y avait un gros événement Ansible qui est l'Ansible Fest, dans lequel Microsoft a fait un témoignage entre autres, donc on va revenir sur ça dans quelques instants. Donc c'est une belle réussite pour Ansible. Autre nouvelle, cette semaine importante, tant qu'à rester, on va rester dans le domaine du stockage avec Ceph. Ceph a un nouveau système de fichiers qui s'appelle BlueStore. On a annoncé cette semaine que finalement la compression était pleinement supportée.
la inline compression, compression en temps réel des données pour sauver de l'espace. Donc, je vous montre ça ici. Donc, c'est un article qui détaille un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on-the-fly data compression pour les POSEF créés sur les OSD BlueStore. Donc, avec ce qui est le fun dans l'article, c'est qu'on va mettre un petit peu plus bas des métriques aussi. Donc, l'impact de faire la compression, qu'est-ce qu'on perd exactement. Je pense que c'est pas beaucoup. Je pense qu'on a fait comme 10%. Donc, très bel article, super bien détaillé. Si ça vous intéresse, puis je sais que parmi nous, il y a des gens qui nous écoutent et qui utilisent CEF en entreprise. Donc, enfin, la compression-là avec BlueStore. Donc, ça n'a rien à voir avec vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, là, j'ai présenté vidéo, une technologie de compression et de déduplication qu'on a intégrée au kernel. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment propre au système BlueStore ici. Toujours dans la section nouvelles trouvailles, on va faire une petite sous-section aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles, quelques nouvelles importantes à communiquer avec vous. Donc, je vais toujours dans la nouvelle trouvaille, je vais rajouter une nouvelle section à l'écran, je ne sais pas comment ça va sortir, on va regarder ça. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, il y a eu l'Ansible Fest, plutôt cette semaine. Et on a eu, tiens, sur le stage, Microsoft est venu présenter, a fait une petite vidéo avec nous pour présenter un petit peu, parler un petit peu de ce qu'ils font avec Ansible. Et c'est intéressant, c'est Microsoft. Donc, j'aurais dû donner une thématique aujourd'hui à mon épisode Microsoft, parce que je vous ai parlé de Bill Gates en introduction. Là, je vous parle de ce que Microsoft fait avec Ansible. Donc, j'aurais pu donner cette thématique-là. Donc, si on va voir la vidéo ensemble, je vais vous montrer ça. Juste ici. Prenons le temps de regarder. When you put a problem like networking in front of a software engineer, we're going to try and write software to solve it. The size, scale, and complexity of the infrastructure that we manage is growing exponentially. As our organization was maturing, we saw the need to start, you know, scripting some things. There's a revolution coming within automation itself that's really going to change the way people see the problem. Now engineers are starting to think more like software developers, and it's really enabled collaboration and that kind of the change in how we approach problems as an organization. Donc, c'est pas un très gros vidéo, mais c'est le fun de voir, bon, le campus de Microsoft, et de voir Tower sur un des, Ansible Tower sur un des bureaux de chez Microsoft. Donc, Microsoft utilise Ansible, je pense, à très grande échelle pour gérer leur réseau éthique. Donc, c'est un use case qui a été présenté. En fait, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents et ça a été ramené cette semaine au Ansible Fest avec cette vidéo-là. Donc, c'est un beau succès pour Ansible chez Microsoft. Donc, ce qui a été annoncé cette semaine, les deux grosses annonces, en fait, et je vous dirais que ça a été annoncé, mais ce n'est pas disponible encore. Ça va être disponible quelque part dans le mois de novembre. C'est Ansible 2.9 qui amène beaucoup, beaucoup de nouveautés, des nouveautés intéressantes. Donc, tout d'abord, Ansible Security, que j'ai déjà présenté, grosso modo, dans un épisode dans le passé. Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait, mais revenir avec vous, peut-être partager avec vous une des nouvelles qui est ici. Juste là. Donc, qu'est-ce que c'est Ansible Security Automation? En fait, on vient rajouter, avec Ansible, vous savez, on peut administrer des postes Linux, on peut administrer des postes Windows, on a aussi, le 3 ans, à peu près 3 ans, relâché Ansible Network, pour gérer toutes les composantes Network. Là, on relâche Ansible Security pour gérer, automatiser, en fait, des outils de sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? Il y en a, l'article décrit ça un petit peu, là, c'est qu'il y a une... La quantité de logiciels qui existent est énorme. J'ai une slide dans une présentation, là, je pense qu'il y en a des centaines. Et les gens, les CISO, donc les responsables des sécurités dans les entreprises, faut qu'ils travaillent et essaient d'intégrer ça ensemble. Et ces outils-là n'ont pas vraiment d'intégration native entre eux autres. Il peut en avoir un petit peu,
mais rien de très concret. Alors, ce que nous, on a fait depuis presque 2 ans maintenant, c'est travailler avec ces compagnies de sécurité-là pour créer des modules Ansible et donner la capacité à Ansible d'intégrer ces outils-là ensemble. Donc, c'est ce qu'on relâche, qu'on va relâcher le mois prochain. En fait, on l'a annoncé à Ansible Fest, mais c'est pas tout à fait prêt. Donc, voici les premières compagnies, en fait, en sécurité qui sont ici, qui ont relâché des modules Ansible et qui vont permettre l'intégration de tous ces outils-là ensemble pour répondre à une attaque de façon automatisée. Donc, lorsque vous êtes attaqué, normalement, un firewall qui est attaqué, le firewall, le CPU va augmenter de beaucoup. Je vais juste mettre ça ici pour vous voyez ma binette. Donc, et ce que les gens, les opérateurs du firewall vont faire, vont extracter les logs du firewall, ils vont faire de l'analyse, peut-être avec une autre équipe ou un autre outil Snort, par exemple, ou même Splunk, pour collecter les données. Donc, et tout ça, c'est des opérations manuelles. Donc, le temps que l'attaque se fasse, aller jusqu'à temps qu'on crée la règle pour se protéger, des fois, il peut s'écouler quelques journées. Puis on sait qu'en sécurité, on ne peut pas attendre quelques journées. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a travaillé avec ces fournisseurs-là, créer ces modules qui permettent d'automatiser différentes tâches. Et grâce à Ansible, avec Tower, on est capable de déclencher l'automatisation lorsqu'il y a une attaque. On va envoyer les logs automatiquement à Splunk. Splunk va faire l'analyse, va découler la règle qui doit être créée dans le firewall et finalement, ça va être repassé au firewall. Donc, pratiquement en temps réel, on vient de répondre à une attaque. Des opérations qui sont faites manuellement beaucoup dans les équipes de sécurité, on vient de les automatiser. On vient faire, grosso modo, ce qu'on a fait au niveau Linux, au niveau Windows, au niveau des switches, là, on le fait proprement à la sécurité. Donc, c'est ce qu'on a annoncé avec ces partenaires-là qui sont ici. Déjà, je me rappelle, la première fois que j'en ai parlé, on avait 3 seulement. On avait Checkpoint, Snort et Splunk. Et regardez, il s'en est rajouté depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ce qui est super le fun. Donc, je viens de recevoir un petit message. Excusez, j'ai été dérangé. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est de. On va voir là, dans les prochaines versions de Ansible, vous allez voir cette liste-là grossir, je suis convaincu. Parce que déjà, ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, au Ansible Fest, c'était pas sur une des présentations principales, c'était dans un breakout session, les sessions les plus petites. Mais les gens d'IBM qui ont acheté Red Hat et qui ont vu ce qu'on faisait avec la sécurité, ont tombé sur le dos. Et d'ailleurs, un des VP assez haut placé chez IBM était sur le stage cette semaine avec Massimo, Product Manager d'Ansible Security chez nous, parce qu'il voulait être là lors de cette annonce-là. Pour lui, il voit beaucoup le potentiel de ce qu'Ansible peut aider dans ce monde-là. Donc, c'est une belle annonce. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait prêt. Ça va être prêt dans les prochaines semaines. Donc, à surveiller. Autre annonce que nous avons fait et qui est assez importante. Je la mets ici. Là, ce matin, il y avait des petits problèmes avec ce site web-là. Je vais voir ce que ça dit ce midi. Ça a été rétabli. Là, je peux me mettre dans le chat ici. C'est un site web, en fait, qui permet de marquer des articles là, avec une espèce de crayon jaune. Donc, moi, souvent, je lis les articles. Je les prépare pour mon épisode, mais je vais faire ressortir des choses des articles, parce que des articles, il y en a des pages. On pourrait passer l'heure à lire des articles. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment faire ressortir des points importants. Donc, je le mets ici à l'écran pour que vous puissiez voir. Donc, on annonce une nouveau produit chez Red Hat autour d'Ansible. Ça s'appelle Ansible Automation Platform. Donc, ça intègre pratiquement tous les outils Ansible qui existent aujourd'hui, Tower, Engine et Network Automation Plugin, mais on rajoute des services en ligne qui vont venir bonifier cette plateforme-là. On a annoncé aussi, ça j'en ai parlé un petit peu dans les épisodes précédents, puis ceux qui sont venus au Ansible Meetup, on a eu une présentation de mon collègue Gonnery, pardon, j'avais un petit blanc. Donc, Gonnery est venu présenter, parler des Content Collection. Donc, Content Collection permet d'organiser un petit peu Ansible. Donc, ça inclut des modules, des plugins, des rôles, des playbooks, tout ça ensemble, on appelle ça une collection. Les collections vont pouvoir être déposées sur Automation Hub. Automation Hub, c'est quoi? Si vous connaissez Galaxy, c'est l'équivalent de Galaxy. En fait, c'est la version, je dirais, plus entreprise. Donc, ici, avec Automation Hub, vous allez trouver des collections, des playbooks, qui ont été marqués, supportés et certifiés par Red Hat ou les partenaires.
Donc ça va être disponible seulement pour ceux qui sont abonnés à nos produits Ansible, qui sont disponibles dans la communauté. Donc c'est un service ajouté, en fait une valeur ajoutée qu'on veut vous donner avec Ansible lorsque vous vous abonnez à nos services Ansible. D'analyse ici aussi, donc ça va être ajouté si je comprends rien parce que je ne l'ai pas vu là, dans Tower. Vous allez pouvoir avoir un graphique, des métriques sur l'utilisation de votre automatisation. Et finalement, une nouvelle mise à jour de Tower qui s'en vient aussi en novembre. Avec la fonction très attendue de dans les workflows de pouvoir faire des pauses à certains moments. Donc ça, c'est bien. Donc le tout va être disponible, comme je mentionnais, début novembre. Donc d'ici un mois, là, vous devriez avoir accès à toute cette belle technologie-là. Donc c'était grosso modo le résumé. J'ai pas suivi j'étais pas très rigoureux cette semaine pour suivre ce qui se passait avec Ansible Fest. J'ai été enterré de travail. Je lisais entre les lignes sur Twitter. C'est les grosses sorties. Je sais qu'il y a eu d'autres choses qui ont probablement été annoncées que je vous parle pas aujourd'hui. J'en reviendrai sur les autres annonces. Mon collègue Patrick Toll, spécialiste Ansible chez nous à Toronto, était supposé nous faire aujourd'hui, en tout cas du moins dans les prochains jours, là, un récap de ce qu'il a vu là-bas, puisqu'il qui était présent là-bas au Ansible Fest. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va jusqu'à présent. Excellent. Prochaine section. Les dernières sorties. J'ai-tu oublié quelque chose dans les nouvelles? Non. OK, parfait. La dernière sortie aussi, beaucoup de choses depuis deux semaines. C'est vraiment impressionnant le rip à lequel on va. Tout d'abord, je vous parlais de Rook. On va aller le voir ensemble, Rook. Si vous ne connaissez pas Rook, prenez le temps de jeter un œil. Ça vaut la peine. Rook, qui est un orchestrateur de stockage pour Kubernetes. Initialement, on avait un gros focus sur Ceph, mais maintenant, on a ouvert un petit peu les technologies de stockage en dessous. Donc, on a EdgeFS, Minio, CouchDB, Cassandra, NFS et YogaByteDB, nos affaires propres aux bases de données. Donc, c'est un orchestrateur lequel qui reçoit beaucoup d'amour en ce moment chez Red Hat. Il devait être intégré éventuellement à notre offre OpenShift, donc OpenShift 4.2 si je ne me trompe pas, qui sort très bientôt. Donc allez jeter un œil à ça. En fait, pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a une nouvelle release, la version 1.1, donc on stabilise de plus en plus le produit, ce qui est bien. Autre chose que je voulais vous parler, en creusant un petit peu Rook, enfin il est sorti un petit peu plus tôt cette semaine, enfin le 13 septembre, la semaine passée, Un des systèmes de fichiers, des systèmes de stockage supportant en dessous s'appelle EdgeFS. Si vous n'avez pas vu EdgeFS, allons voir ça ensemble. Si vous n'avez pas porté attention à ça, je vais vous montrer. C'est cool parce que c'est une demande que je reçois régulièrement des clients. Donc, comment connecter plusieurs sites ensemble et partager du contenu comme si c'était juste un site. Donc, c'est les promesses que EdgeFS font. Donc, c'est du distribué géographiquement, connecté as a one global namespace par-dessus Kubernetes. Donc, en fournissant du persistant, tolérance aux pannes et la haute performance pour les applications Kubernetes. Vraiment, c'est une belle promesse. Je n'ai pas essayé, je ne sais pas s'il y en a dans vos autres qui l'ont essayé, mais je trouve ça très bien comme concept du projet. Donc, vous pouvez rejeter un œil. Je ne pense pas que chez Red Hat, on va supporter ça. Ça n'a pas été annoncé qu'on allait supporter prochainement, mais éventuellement, si ce projet mature et il répond à cette demande-là, je crois que ça pourrait être très intéressant de l'offrir au travers de nos produits. Builda, on a sorti une nouvelle release, 1.11. Builda qui permet de construire vos containers. Donc, ce qu'on a rajouté, je vous dirais, la plus grosse... fonctionnalité, c'est le support des cgroups version 2, donc les cgroups qui permettent de limiter pour un container l'utilisation des ressources d'une machine. Ce qu'on a changé au cgroups version 2, c'est capable de contrôler les cgroups en mode site route, donc pour un usager très pratique pour Podman entre autres, puisqu'on roule des containers en
en usager. Je vais vous le montrer tantôt dans ma démonstration. Fedora 31, qui est sorti le 31 bêta. Faut que je fasse attention, c'est pas la version finale, la version bêta qui est sortie le 17 septembre. Et je tenais après, en fait, dans les grosses nouveautés, si vous regardez le site de Fedora, on n'annonce pas un rafraîchissement de plusieurs logiciels, mais pas vraiment de beaucoup de détails. Et je suis allé chercher un article d'un de mes collègues. Enfin, un de mes collègues. C'est-tu un de mes collègues? Je ne sais pas si c'est un de mes collègues. Il faudrait que je regarde si c'est un de mes collègues, mais c'est quelqu'un qui travaille sur le projet Fedora, certainement, qui s'appelle Christian Schaller. Il a fait un deep dive, un article qui explique vraiment très bien en détail les nouveautés apportées dans Fedora 31, et c'est vraiment intéressant, on va le regarder ensemble. Je vais vous dire aussi ce qui est sorti avec Fedora, nouveau build pour les Internet of Things, donc IoT. Donc un nouveau build qui pourrait intéresser plusieurs d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui jouent avec ça, je sais qu'il y a des clients qui ont à fournir du IoT dans le domaine, donc éventuellement, ça va peut-être, ce qui se fait dans Fedora, éventuellement, ça se répéterait dans REL, donc ça serait à surveiller. Donc, si on revient au niveau de Fedora 31, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? WLAN, stabiliser WLAN, enlever les dépendances avec Windows, il y en a encore. Encore aujourd'hui, quand je préparais mon épisode, je faisais les tests avec OBS, j'utilise OBS pour streamer sur Twitch. Et j'ai encore des problèmes avec WLAN. OBS et WLAN ne marchent pas bien ensemble, donc j'ai super hâte que ça soit corrigé pour que je passe pleinement mon desktop en WLAN. C'est la seule chose qui m'arrête. Et BlueJeans, qui nous permet de faire de la conférence partagée, faire des réunions entre collègues et se partager des présentations. Donc, c'est encore aussi, c'est pas possible avec WLAN. Donc, on dit qu'on enlève de plus en plus de dépendance à X-Windows dans cet article-là. Qu'est-ce qu'on dit ici? Oui, en fait aussi, on mentionne dans l'article que Red Hat est le principal mainteneur de Xorg, et le jour qu'on va décrocher de Xorg, ben il y a de bonnes chances que ça meure, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres compagnies ou beaucoup d'implications des autres entreprises dans le domaine qui participent. Donc c'est sûr que Xorg, on va le supporter pour toute REL 8. Pour REL 9, peut-être qu'on va passer directement dans WLAN. Pipwire, qui est le remplacement du démon de gestion multimédia du son. Donc, des petites avancées ici, rien d'important. Flagpack, on veut livrer éventuellement, par défaut, toutes les applications dans Flatpak. Donc, Flatpak est une façon, j'en ai parlé dans là, quelques épisodes, de déployer des applications sous format de container. On regarde pour mettre les images de Ubi disponibles. Fedora Toolbox, c'est bien. Moi, j'ai installé la version 31 bêta et malheureusement, le Toolbox ne marche pas bien. Mais le Toolbox, en fait, vous permet d'utiliser Fedora, le respin qui s'appelle Silverblue. Donc, Silverblue, c'est un Fedora que vous installez. Il est immutable. Impossible de le changer, mais c'est un desktop. C'est un environnement desktop. Si vous voulez rouler, installer des applications, faire du Yum à l'intérieur, il faut partir une espèce de container dédié à ça, et c'est via l'outil qui s'appelle Fedora Toolbox. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez démarré le Toolbox, donc un container, si vous faites un contrôle Alt Tab, vous passez à notre table, vous restez dans le container pour continuer à faire ce que vous voulez faire, comme installer un package ou installer d'autres packages, parce qu'on peut pas. Le OS est immutable, donc on ne peut pas le changer. Donc, si on veut faire ça, il faut passer avec un. Il faut installer quelque chose. En fait, il faut initier un container et démarrer des choses. Donc, c'est quelque chose, j'ai commencé à regarder Silverblue. Éventuellement, j'aimerais ça aussi vous en faire une démonstration dans un épisode futur et vous montrer ce qu'on a fait à ce niveau-là, ce qui est très, très bien. Fleet Commander, j'ai découvert ça avec cet article-là. Donc, un outil pour gérer des déploiements de Fedora et de REL desktop. Intéressant. Donc, on peut utiliser Active Directory, FPA, Azure Directory Server. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais explorer aussi. Je ne connais pas Fleet Commander, je n'ai jamais touché à ça, mais je suis très curieux. Donc, une espèce de satellite, mais focusé Fedora et REL desktop. Donc, c'était le résumé de l'article ici. Je pensais qu'on était sur l'article, désolé. Quoi d'autre? OpenStack 15 qui est quitté bêta pour passer en version pleinement supportée le 19 septembre. Donc les grosses nouveautés d'OpenStack, c'est le support REL 8 et aussi le support d'aller chercher le compute au niveau du GPU. Donc ça, c'est intéressant. Grosse sortie,
Grosse sortie cette semaine qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a aussi parti plusieurs débats dont nous, à l'interne, on a eu plusieurs réunions suite à cette annonce-là qui m'a pris plusieurs par surprise. Donc, c'est le relâchement de CentOS 8. Je vous rappelle que RHEL 8 est sorti en mai 2019, donc 4 mois plus tard, CentOS 8 voit le jour. Mais on en a profité en même temps pour annoncer un nouveau build de CentOS qui s'appelle CentOS Stream. Donc, est-ce que j'ai... je pense que le best ici pour vous montrer. Je vais aller sur un document interne. Je vous montre ça. Un petit peu, je vais juste valider si tout est beau. Oui, je vous montre ça ici. Donc, développement, comment fonctionne le développement avec CentOS avant qu'on fasse ces annonces-là? Tout d'abord, le développement modèle, le modèle de développement, pardon, j'essaie de lire la slide telle quelle, mais il faut que je la traduise en français. Le modèle de développement de RHEL, comment ça se passe chez nous? Je pense que ce n'est pas un secret. Là. On gèle en mode une version de Fedora. On stabilise son contenu, on l'épure, puis on crée RHEL. Donc ça, je pense que ce n'est pas une surprise, rien de nouveau ici. Ce que CentOS fait, CentOS prend les sources de RHEL et crée CentOS. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 4 mois de lag? C'est l'équipe de CentOS qui est très réduite. C'est sûr qu'il y a une communauté énorme en arrière de ça. On a de la misère à la chiffrer, mais très, très, très populaire. Donc, on a la communauté qui travaille, qui est peu, en fait, qui retire tout le branding Red Hat et qui met CentOS. Et CentOS arrive quelques mois. Et une fois qu'il est sorti, ben, il essaie de suivre la cadence des patchs du côté de RHEL, mais c'est plus difficile. Donc, problématique de ça. Si des gens découvrent des problématiques dans CentOS, il n'y a pas de moyen d'avertir, il n'y a pas moyen de mécanique d'envoyer ça dans RHEL. Il faut que ça passe dans Fedora. Donc, le processus est compliqué et il peut s'écouler du temps. Fait que, comme il y a beaucoup de gens qui utilisent CentOS, même qu'il y a des choses qui sont développées dans CentOS qui seraient bien de voir dans RHEL, mais il faut passer par Fedora, il faut attendre une prochaine release avec un nouveau build de RHEL. Donc, pour pallier à ça, en fait, ce qu'on on a rajouté, en fait, dans le modèle de développement de RHEL, c'est que maintenant, vous allez avoir Fedora, pour lesquels une version majeure va être développée, va être prise. RHEL, on va prendre une version majeure de RHEL dans Fedora. Mais dans le cycle de vie de RHEL, en fait, les versions mineures, on va aller chercher ce qui se fait dans CentOS Stream. Donc, CentOS Stream, il faut le voir comme une version laboratoire, qui va nous permettre, en fait, d'aller chercher plus de feedback de la communauté et l'intégrer plus rapidement dans RHEL. Hein? Encore une fois, Fedora, on relâche aux 6 mois. RHEL est basé aux 3 ans à peu près sur ce qui se fait dans Fedora. Puis après ça, les releases mineures qu'on fait, on les fait directement dans RHEL. On en renvoie un peu dans la communauté. On renvoie dans la communauté. Mais ce que les gens font dans CentOS, ce qu'ils développent dans CentOS, mais ça prend plus de temps. Donc, pour pallier à ça, on a une version de CentOS Stream. Donc, c'est une version de CentOS. On part de CentOS. Et on la fait évoluer plus rapidement. Et de ça va découler les versions mineures de RHEL. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on dit ici. Donc, c'est une grosse annonce, un bon changement pour la communauté CentOS qui a fait parler beaucoup. Je l'ai installé. D'ailleurs, ma prochaine démonstration, je vais utiliser CentOS Stream pour vous montrer de quoi ça a l'air. Montrer que ça fonctionne. Et utiliser, voir. Je l'ai utilisé un petit peu CentOS Stream pour voir quelle sorte de mise à jour qui va être mise dans CentOS et comment ça va se rapatrier dans les versions mineures de RHEL. Donc, ce qui fait que chez Red Hat, on a plusieurs offres maintenant Linux gratuites, en fait. Donc, on a le projet Fedora qui reste notre laboratoire, qui reste un paquet de... C'est très cutting edge, ça va très très vite. CentOS Stream qui va prendre les sources CentOS, mais qui va faire évoluer CentOS pour éventuellement apporter dans RHEL des nouvelles capacités.
Je crois que j'en ai parlé, mais vu que j'en parle tellement à des clients, des partenaires, que je ne sais plus à qui j'en ai parlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici. Mais on a la Red Hat Universal Base Image, qui est une image, un container de RHEL qui est gratuit. Donc, un container qui est RHEL 7 et RHEL 8. RHEL 8, je pense, juste pour l'instant. RHEL 7 aussi, peut-être. Faudrait vérifier, je ne me souviens pas. Donc, c'est un container que vous pouvez utiliser, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'abonnement, vous pouvez le mettre à jour aussi si vous voulez. Mais il faut faire attention, il y a des conditions d'utilisation. Évidemment, on a l'offre RHEL Développeur que j'ai déjà présentée dans le passé, qui est un abonnement à RHEL gratuit, tant que ça reste pour vous, pour de l'exploration et non de la mise en production pour une entreprise. Donc, pour ceux qui ont manqué les annonces, je vais vous mettre l'annonce officielle de CentOS dans le chat ici, si ça vous intéresse de lire sur le sujet. Excellent. Donc, dernier sujet de la journée, on est presque terminé, oui. C'est ma démonstration que j'ai pas eu le temps de faire il y a 2 semaines. Je voulais quand même revenir sur ça et c'est le fun, ça m'a fait travailler un peu la démonstration. Je vais le mettre dans le sujet ici. Donc, c'est la démo d'Access Insight. En utilisant Podman, pour aller chercher et interroger l'API. OK, donc on va aller sur mon poste de travail. On va aller juste déplacer ça ici. Je vais aller chercher ma machine virtuelle CentOS Stream. Tant que dans les nouvelles, comme CentOS Stream est dans les nouveautés, comme vous pouvez voir, c'est un RHEL 8. Si vous voyez bien, je vais juste garder ma fenêtre de chat ici si jamais il y a des gens qui posent des questions. Donc, j'ai un compte qui s'appelle Twitch. Je vais quitter ça ici. Alors, ce qu'on va faire de 1, on va se lancer un container en utilisant Podman. Donc, on va aller chercher une image. On va aller chercher l'image de Ubi, une image gratuite de RHEL 8. Pour lesquelles on va démarrer l'image avec Podman. On va rentrer à l'intérieur. On va faire des petites mises à jour à l'intérieur. On va installer des outils pour pouvoir interroger l'API d'Access Insight. Donc, pour ceux qui ne savent pas Access Insight, Access Insight, c'est notre service en ligne. Si vous avez des abonnements avec RHEL, vous avez accès à Access Insight. Access Insight est merveilleux. Si vous ne l'avez pas essayé encore, je vous invite à le faire. C'est hyper simple. On a un client installé et exécuté. Ça commence à envoyer de l'information à notre service en ligne. Et en temps réel, ça fait de la corrélation avec ce que vous avez et ce que nous, on a découvert dans le passé qui peut être problématique. OK. Pourquoi je viens partir un container ici? Puis pourquoi je viens aussi... Pourquoi j'interroge au travers d'un container au lieu de l'interroger directement dans mon Linux? C'est que je veux passer des credentials. Puis je veux que les credentials soient sécurisés, je veux que ça soit encané, enfermé quelque part. Donc je les mets dans mon container. Et ce qui est le fun, je prépare mon container, j'installe à l'intérieur les outils qu'il faut pour interroger l'API, et ça garde l'historique aussi de ce que j'ai fait pour interroger l'API. Donc, si j'ai à manipuler l'API d'Access Insight dans le futur, je pars mon container, je vais à l'intérieur et... Bingo, c'est fait. Je n'ai pas besoin de fouiller comment ça fonctionne. J'ai un container qui est maintenant dédié à ça. Donc, je trouvais ça cool comme concept. Je ne sais pas si au day-to-day, ça va faire du sens, mais bon, le concept est là. Et c'est une bonne opportunité pour moi de vous remontrer Podman, parce que c'est un outil qui est génial pour partir gérer vos containers. Puis, vous montrer aussi l'API d'Access Insight, qu'on est rendu à la version 3. D'ailleurs, ce qui est le fun, c'est que, voilà 2 semaines, j'avais des petits problèmes avec l'API, qui ont été corrigés dernièrement avec la version 3. Maintenant, je suis capable de faire la démonstration au complet sans problématique. Donc, tout d'abord, ça prend Podman. Podman est installé par défaut dans CentOS Stream, de ce que j'ai pu voir. Donc, j'ai pas fait d'installation, puis il était là. Par contre, pour RHEL, de mémoire, il n'est pas installé. RHEL 8, RHEL 7 ou RHEL 8, donc il faut l'installer. C'est un human install Podman. Donc, une fois que vous avez Podman d'installer, vous pouvez, avec Podman, est-ce qu'on me voit bien ici? Oui. Vous pouvez avec Podman PS, c'est les mêmes commandes que Docker, en passant, voir s'il y a des containers qui roulent. À l'heure actuelle, je vois qu'il n'y a aucun container qui roule par Podman. Alors, ce que je vais faire de 1, je vais me connecter au registre pour aller chercher l'image Ubi. Et on ne mettra pas le mot de passe qui est ici, parce que je ne veux pas vous voyez mon mot de passe, bien sûr. Je vais mettre mon login. Donc, vous avez mon login. Je vais me loguer. Je vais mettre mon mot de passe ici. Pour me loguer au registre de Red Hat, tout simplement. Donc, je suis connecté.
Donc, je vais avoir accès aux images qui sont sur le registre. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à Podman ici de rouler un container avec un nom. Je vais lui donner le nom Access Insight en mode privilégié. Je vais demander de se connecter à l'intérieur. Va chercher l'image du registre UBI, l'image standard de Universal Base Access. Universal Base Image, la version 8, et roule bash immédiatement. Donc, ce que Podman va faire, va chercher sur l'image localement. Il ne l'a pas. Il la télécharge. Ça prend quelques secondes de télécharger. Et il va l'exécuter. Je vais rentrer à l'intérieur du container. Ce que je veux vous remarquer ici, là, c'est que je suis connecté en usager Twitch. OK? Donc, je ne suis pas en route. Donc, je roule des containers, je vais chercher des containers, je ne suis pas en route du tout. Là. C'est un des avantages de Podman. Donc, Podman, j'exécute, donc télécharge l'image. Et là, maintenant, je suis dans le container, connecté dans le container. Et ce que je vais faire, je vais installer quelques librairies que j'ai besoin pour interagir avec l'API de Access Insight. Donc, j'ai besoin de Perl ici. Donc, je suis à l'intérieur du container, je rajoute un petit peu de contenu à l'intérieur, quelques librairies. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est que ça télécharge, ça met les RPM dans le container et ça les installe. Là, ce qu'on va faire par la suite, on va supprimer les RPM, parce que je veux pas que mon container grossisse trop, je voulais juste rajouter les librairies, donc je vais faire un DNF CleanAll. Je vais faire un yum, excusez, parce que je suis dans un RHEL 8, mais DNF fonctionne pareil. Et je vais faire un RM... R, j'ai envie de ma cache pour être sûr que mon container ne grossit pas trop. Oups. Vous savez, avec RHEL 8, on marque YUM, mais en fait, c'est DNF qui est là. Donc, comme ça, je garde mon container très léger. Donc, j'ai mon container qui est prêt à interroger l'API d'Accès Red Hat Access Insight. Et je vous passe ici, tiens, je vais ouvrir une nouvelle table. Je vous la passe à l'écran, qui est la documentation de l'API de Red Hat Access Insight. Donc, vous avez tout ce qui peut être appelé, la méthode et les paramètres qu'il faut passer avec quelques exemples à l'occasion. Donc, c'est là-dessus que je me suis basé pour faire ma petite démonstration, ma petite documentation-là. C'est un service qui évolue très vite, Access Insight. L'API aussi évolue vite. Donc, on est à la version 3 de l'API en passant. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vous montrer, je vais aller chercher la liste des systèmes qui sont enregistrés à Access Insight. Et je vais faire une conversion en JSON dans un fichier host.json qui est juste ici, en grosso modo, ce qui est là. J'appelle l'API d'Access Insight qui me permet de lister les systèmes qui sont enregistrés au service Access Insight. Donc, si je m'en viens dans ici, donc voici les services. Là, j'ai quelques machines qui sont enregistrées. Et pour vous montrer là, aussi une autre façon de l'accéder, on va y accéder directement par le web. Copier ça ici. J'ai du mal, ça ne fonctionne pas. Je vais m'enregistrer. Bon. Ils ne sont pas très longs. Bon, c'est parce que je ne suis pas connecté. Je vais me loguer. Là, vous ne voyez pas, là, mais ça ne sera pas très long. Je me logue au portail client, en fait. Et là, je réessaye. Je vais revenir ici et je vous montre ça. Ce que je vais vous montrer, là, c'est le résultat dans un browser de cette commande-là ici. Tu marches? Oui. Donc, vous voyez le résultat là. C'est un paquet d'informations. En fait, je l'ai formaté ici pour que ça paraisse en format JSON beaucoup plus élégant, plus facile de chercher de l'information. Alors, ce que je vais faire, je vais aller interroger l'API, la liste des systèmes. C'est la même liste qu'il y a ici. Ou si vous voulez, sur le portail Access. Je peux y aller maintenant. On va aller chercher un Insight. Access Insight qui est juste ici. On va aller à l'application.
Donc, c'est l'équivalent un petit peu, là, au lieu de parcourir tout ce chemin-là, j'ai tout mon inventaire qui est ici. Donc, ça devrait concorder avec ce qui est écrit là. Quand je dis ça devrait concorder, bon, ce que j'ai vu, quand on enregistre un système à Access Insight, on a une commande à lancer. Si on veut le désenregistrer, il faut lancer une autre commande. Mais qu'est-ce qui arrive si vous supprimez la machine, vous supprimez la VM sans faire le désenregistrement? C'est là que l'API peut être intéressant. On peut scripter ça, comme je vais faire dans quelques instants. Ou on peut venir dans l'interface faire un delete. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'en faisant un delete de l'interface, il reste des traces encore. Je me suis aperçu que lorsqu'on delete avec API, avec l'API, c'est beaucoup plus clean. Faudrait que je notifie nos développeurs sur ça. J'imagine qu'ils sont au courant, mais bon, on sait jamais. Donc, dans mon cas, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai affiché, je vais regarder une machine que je veux supprimer d'Access Insight qui n'est pas utile. Ça dit, je vais la garder, je l'utilise beaucoup pour des démos, IDM aussi. Tiens, Sonia Gulder. Celle-là, cette machine-là, je veux la deleter. Donc, je vais utiliser mon container pour faire ça. Donc, ce que j'ai besoin, c'est du System ID qui est ici. Okay. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça dans la documentation de l'API. Je vais aller chercher la commande qui me permet de supprimer, en utilisant l'API, une machine du service Access Insight. Donc, c'est la méthode delete. J'appelle l'API en question. Et l'API, je dois rajouter ici le numéro du système que j'avais pris en note. Oups. J'ai pris en note, puis là, je viens de casser ça. Donc, il est un petit peu plus loin. On va aller la chercher. Donc, qui est Sonia, j'avais dit. Donc, j'ai plus besoin de Sonia. Je vais la copier. Je vais la porter ici. Puis, je vais la supprimer. Toujours mon mot de passe. Donc, c'est fait. Aussi rapide que ça, je vais redemander une liste ici. On va aller voir si Sonia est encore là. Théoriquement, Sonia devrait plus être là. Et voilà, Kirk, c'est rendu Kirk qui a pris sa place. Donc, j'ai mis le système. Donc, ça a fonctionné. C'est super beau. Si je fais un refresh ici, Sonia, je l'ai. Donc, si je fais un refresh ici sur les services d'Access Insight, elle devrait avoir disparu. Elle n'est plus là. Donc, j'ai un container qui roule sur Podman qui me permet d'interagir avec ça. Et regardez ici, j'ai gardé en historique les commandes que j'ai faites. Je vais sortir du container. OK. Et je vais revenir en mon usager. Donc, Podman. Oups. Je suis l'usager Twitch. Si je veux réutiliser ce container-là pour interagir avec, avec Insight dans le futur, il me suffit de démarrer. Je peux faire juste un Podman Start Insight. OK. Et je peux aller à l'intérieur. Attach Insight. Si je fais une history, regardez, je vois ce que j'ai fait. Donc, je peux ressortir mes commandes et les relancer. Donc, j'ai un container qui roule que je vais arrêter. Si je fais un Podman, je vais vous montrer. Podman. PS, excusez. Il ne roule pas en ce moment. Pourquoi il ne roule pas? Parce qu'en quittant... Oh, c'est une bonne affaire. Ça. Non, c'est ça. En quittant, il a arrêté le container. Donc, si on fait un PS, ça, je ne savais pas. C'est bien. Donc, il roule. Dernière image de Ubi. Et j'ai ce qu'il faut. Donc, c'est super. Vous voyez, pas très complexe. Assez efficace. Et côté sécurité, bien, je viens de... enfermer un petit peu ce que je fais avec Access Insight dans un container. Vous savez qu'avec Podman, si un container est compromis, ben ça va être difficile d'aller chercher de compromettre les autres par protection avec SE Linux et les namespaces et ainsi de suite. Donc, c'est un des avantages d'utiliser nos technologies container. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui à l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si vous avez aimé, vous avez des questions, vous pouvez me contacter ou via YouTube. Je vais déposer les vidéos quelque part cet après-midi ou quelque part en fin de semaine. Vous pouvez commenter, poser vos questions, mettre vos commentaires. C'est très apprécié. Donc, merci d'avoir été là. Pour ceux qui sont venus faire un tour,
Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, ben, merci de m'écouter en rediffusion et je vous reviens d'ici 2 ou 3 semaines, dépendamment de mes disponibilités et du contenu. Sur ce, bon week-end, à la prochaine.